Salut les filles, alors je reviens encore ce soir avec une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci de la jolie box. Donc j'ai fait une vidéo juste avant qui parlait de mon coffret beauté, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Et donc cette fois-ci ce sera pour parler de la jolie box. Donc je l'ai eu depuis quelques jours déjà, mais j'ai pas encore pu tester tous les produits. Donc ça sera surtout pour vous montrer le contenu de la box de novembre. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je ferai sûrement une vidéo un peu plus tard pour vous parler des produits que j'ai testés, de vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Voilà. Donc comme d'habitude, nous avons le mot de Mathilde et le descriptif des produits qui sont dans la box. Voilà. Donc tout d'abord, nous avons un vernis Essie en full size. Donc j'ai eu la couleur 84 Over the Knee. Et franchement, j'adore. Donc déjà, j'adore la couleur. Par contre, j'ai eu de la chance de tomber sur une couleur que j'apprécie parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont été déçues, qui sont tombées sur des couleurs qu'elles ne porteraient pas en temps normal. Et donc qui ont été déçues. Donc je trouve ça un peu dommage. Si on a de la chance, on tombe sur un vernis qu'on aime, mais sinon, tant pis pour nous, quoi, en gros. Voilà. Donc moi, j'ai eu de la chance. Je vais vous montrer le pinceau. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment large par rapport au pinceau habituel, et du coup il épouse parfaitement la forme de l'ongle et ça va vraiment très très vite pour appliquer le vernis. En plus il sèche très vite et du coup ben, moi j'adore parce que je déteste les vernis où il faut attendre 3 ans avant qu'ils soient secs, et celui-là franchement c'est pas du tout le cas. Donc je l'ai sur les ongles, je pense pas qu'on verra la vraie couleur du vernis vu que c'est un éclairage artificiel, donc je pense que je vais vous mettre une photo à la fin de la vidéo. Mais franchement, moi je suis très très contente de la couleur que j'ai eu de la chance. Mais voilà. Et donc ici elle est vendue depuis pas très longtemps chez Monoprix. J'aurais peut-être pas testé si c'était pas tombé dans la box de novembre, mais parce que je trouve qu'ils sont quand même encore assez chers. C'est à peu près équivalent à OPI. Mais franchement, la qualité elle est vraiment très très bien. Donc voilà, on peut mettre le prix vu que c'est des très bons vernis. Voilà. Ensuite, nous avons une pince à épiler de la marque Paname Paris. Voilà. Elle est vraiment très très mignonne. C'est une Mère Noël. Donc avec les fêtes qui arrivent très très bientôt là, je trouve que ça tombe vraiment très bien. Après, pardon. C'est sûr qu'en été, on aura l'air un peu moins malin avec une Mère Noël. Mais bon, je trouve ça mignon, donc pourquoi pas. Voilà. Et avec, on a un code de réduction de moins 15% sur le site Ma Trousse Beauté. Voilà. Ensuite, nous avons un après-shampoing conditionneur, donc pour cheveux normaux à sec. Phyto Baume Hydratation, donc de la marque Phyto Paris. Voilà. Par contre, j'ai les cheveux ni normaux ni secs. J'ai les cheveux à tendance grasse. Donc, je pense qu'il n'est pas vraiment adapté à mes cheveux. Mais je vais tester quand même, on verra. Si ça se trouve, ça ira très bien. Il sera vraiment très très bien. Mais voilà, j'ai pas encore essayé. Et il y a écrit après shampoing pour démêler instantanément. Voilà. Ensuite, nous avons une crème de nuit revitalisante de la marque Reine qui fait 15 ml. Donc pareil, j'ai pas essayé, je pense essayer peut-être ce soir. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur cette marque, donc je me fais pas trop de soucis. Et voilà, j'ai hâte d'essayer. Ensuite, nous avons une huile régénératrice à la grenade de la marque Velleda. Voilà. Donc elle fait 10 ml. Je n'ai pas essayé non plus, comme je vous l'ai dit. J'ai entendu qu'elle sentait mauvais. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Moi, ça va. Franchement, ça ne me dérange pas du tout l'odeur. Moi, franchement, j'aime bien. Donc, pareil, à tester. Et enfin, donc, il y a eu un produit bonus, on va dire, parce qu'il y a 6 produits en tout. Et c'est du thé de la marque Kousmiti.
Donc c'est un thé détox, idéal pour drainer et régénérer l'organisme tout au long de la journée. Voilà. Dans une petite boîte comme ça. Et franchement, j'adore l'odeur, donc je vais sûrement goûter très rapidement parce que ça sent vraiment très très bon. Donc voilà ce qu'il y avait dans la jolie box ce 2 novembre. Donc moi j'ai été plutôt satisfaite de ce que j'ai reçu, surtout du vernis. J'ai été vraiment très contente. Ça m'a permis de découvrir la marque Essie et ça sera, je pense, pas du tout mon dernier vernis. Je pense que je vais en acheter d'autres parce que franchement, je suis tombée amoureuse de la formule, du pinceau, enfin du vernis quoi en lui-même. Après, je sais pas si sur toutes les couleurs ça c'est exactement pareil, mais j'ai vraiment été très 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 satisfaite de cette marque et j'ai été très contente de pouvoir essayer. Voilà. Donc si vous avez reçu votre jolie box, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé et pourquoi. Ça m'intéresse toujours de savoir. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une autre vidéo sur mon coffret beauté, donc je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et par contre, donc j'ai aussi la Glossy Box. Mais je peux pas encore vous en parler parce que j'ai entendu qu'il fallait attendre que les abonnés reçoivent la box avant de dévoiler ce qu'elle contient. Je sais qu'il y a déjà des blogs qui ont dévoilé le contenu, mais je préfère attendre et vous en parler dans quelques jours. Mais elle est vraiment très bien aussi. Donc voilà, je vous en dis pas plus et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!